Radio Arverne et le service culturel de Gerza s'associent pour l'émission concert Côté Vague. Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans Côté Vague. C'est la deuxième émission de la saison. La première était consacrée à la chanson française. On avait accueilli les groupes Combo, Salomé. Et cette fois-ci, ça va être une émission dédiée à la scène hip-hop émergente. Cette émission est réalisée en public, à La Vague, à Gerza, en ce mercredi 14 février. Elle sera diffusée sur les ondes du 100.2 le lundi qui suit, à 17h. Et puis, vous la retrouverez en podcast et même sur YouTube, puisque pour cette fois-ci, on aura en plus du son conserver les images. Je vous présente les deux formations du jour. Alors nous aurons droit à deux formations à géométrie variable où le texte compte, le texte en français. Division Blindée, qui est un collectif créé il y a plus de 10 ans maintenant, hein, nous en parlerons tout à l'heure, avec Pasteur H et Supa Mario pour les représenter ce soir. Et puis pour commencer, nous allons retrouver Lulu et Cléon, ce sont eux qui vont lancer les hostilités. Alors tout de suite, place au live. Radio Arverne et le service culturel de Gerza s'associent pour l'émission concert Côté Vague. Bonsoir. Donc on se présente, on est Lulu et Cléon, et on a monté notre groupe il n'y a pas très longtemps de ça. Et en fait, on va vous interpréter quatre petits épisodes, des petits formats assez courts qu'on balance sur Internet. On n'a pas forcément de titre approprié. Donc voilà, c'est des petits morceaux qu'on balance comme ça par épisode sur Internet. Donc voilà. Contre terre, ça me fait mal de regarder la boussole. Je m'entête d'offrir les plans du paradis avec une clé de sol. C'est grave, je m'isole et c'est vrai que j'aime bien rester seul. J'ouvre pas souvent ma gueule, je me barre avec ma carte, m'isole. De force, je m'efforce à ne pas perdre la tête. Parce que je doute qu'un GPS existe pour retrouver sa quête. Du coup, je gratte des bouts de papier que je laisse sur mon chemin. Comme le petit poussé, petit, je pensais que je pousserais toujours loin. Et que le butin serait constamment à m'apporter. Mais sans matière première, le bonheur personne ne peut me l'apporter. Dans les abysses au plus profond de mon âme, il se renferme. Peu propice, il a buté le malheur et a pris prison ferme. Sans pote, il vit derrière les barreaux de nos côtes. Continue à grimper pour savoir ce que cache une vulgaire côte. Ce sera le meilleur moyen pour essayer de le côtoyer. Il finira par se noyer si on ne recherche pas son bien. Moi, ce qui m'attire, c'est de marcher à grands pas dans l'inconnu. Avec la pluie qui se frotte dans le martyr face à chaque coin de rue. Enfin, face au problème, fait partie des bonnes solutions. Terre à terre en équation, conclusion, je mène une vie de poèmes. Les poèmes nous sont des molignes en fil indienne. Mais une fois bien placé entre les poèmes. La moyenne, j'évite les vergues lorsque je pousse une grève exclamation. Je vais pas cacher ma peine derrière trois petits points comme abréviation. Yeah, l'approbation de la conscience quand elle joue des tours. Devant certaines mauvaises cartes et ça pique sur le chemin du retour. Si je me retrouve à la porte, je n'aurai tout pour franchir la feuille de la chance. Avec sur moi mon trèfle à quatre feuilles de deuil. Je fais partie des mauvaises graines qui continuent de germer. Dans une sépulture, attendre la mort sur un sol à damier. La vie une course avec un top départ en décalage. À n'importe quel âge, des hauts débats comme la courbe d'une bourse. Voilà, voilà. Merci. Donc là, on va interpréter ce qu'on appelle l'épisode 2. Voilà, celui-là, c'est l'épisode 4 en premier. Donc là, c'est le 2. «
20 mai 96, arrive ma toute première, bouffée d'air, la vue me joue des tours, elle a du mal à soulever mes paupières. Pourquoi ne suis-je pas le seul à me retrouver dans ce cas-là? Nous apprendons déjà à fermer les yeux devant des cadavres, hein. Je me posais pas ce genre de questions pendant toute mon enfance, plongé dans mes plus beaux songes, tout va pour le mieux en France. C'est vrai, je pensais que bon moment, on passait à la récré, à vouloir jouer les délinquants en essayant de voler des crêpes, hein. M'allais bien loin, cette époque formidable, les idées noires ont pris le dessus, déçus de ce destin misérable. Deux anges partis là-haut, et bien sûr, un monde malade, par ici, là-bas, là, fermez vos yeux, pourquoi vouloir voir le chaos? J'ai pris conscience que je voulais pas faire partie de ces gens-là, j'ai vraiment peur pour ma planète, donc je compte bien faire entendre ma voix. Et puis quoi encore, doit-on tous faire des sacrifices? Non, mais chacun ajoute sa petite pierre à l'édifice. Oh, 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 oh. Décide de me livrer chaque soir à ma plume, c'est peut-être parce que c'est la seule qui arrive à soulever mon enclume. Ça paraît bête, c'est vrai, mais c'est mon seul remède. Elle est m'offrir aux gens, mais ne fait rien en retour, car elle n'aime pas qu'on l'aide. Dans ce monde, je me considère comme un faux parleur. Je m'adresse à ceux de là-haut, certains me verront comme un haut parleur. La vie a caché des œufs de bonheur sur ce vaste étang. J'envoie l'école qui ne m'a pas dit qu'on ne pouvait pas acheter le temps. Nous sommes tous constamment en manque d'informations. Moi, ce que je veux, c'est apprendre la vie et ça sous forme de formation. C'est vrai, dans certains domaines, j'ai vraiment du mal. Pourquoi dans chaque admet que je n'arrive pas à mettre de point final? Et est-ce que toute la vie, je continuerai à écrire? Tout ce que je sais, c'est que le malheur finira un jour par maigrir. Dicter mes tirs avec une voix, ce poudrier de regret. La solution pour laisser une trace sur mon carnet secret. Oh. Merci. Donc là, c'est l'épisode 1. C'est celui qui a le plus tourné dans les 4. Donc voilà, c'est une reprise de Ed Sheeran à la base qu'on a remasterisé à notre sauce. C'est ça. Toi des trêves brèves, donc j'avoue que mes rêves crèvent. Mon attrape rêve, lève ses bijoux et glaive en grève. Mauvais élève, je me trouve au fond de la classe. Si je me déplace cette fois, c'est moi que l'on chasse. Du coup je m'efface et je vois que les rôles s'inversent. Durant la verse, mes diverses vertes, des verses, des herses et je perce. Un par un, les murs de la salle du temps percutant, je constate que dans la vie, ouais, je perds du temps. Un truc genre, déballez pas le tapis rouge, mais pas les mots entrant pour rouge. Ça fait des mois que je me bouge, regarde ma bouche, ouais. Car là, je vais toucher, te coucher, t'arracher, à manger. Tu vas devenir fauché, hocher la tête, c'est ce que je fais sur ce gros beat. Je viens décrocher la fête, marque des gosses qui montent leur ch. Mais oh, c'est trop tard pour me libérer de tous mes fardeaux. Oh, et le trottoir qui me sépare de mes rivaux. Yeah. J'arrive au départ, taper des barres, creuser l'écart à l'équipe d'en bas, j'dérive dans la mare, attraper le dard, écoute des bobards au petit bout du bois. J'avoue que tout ce qui tourne autour des tours me joue des tours, mais sans détour, je cours dans le bourreau secours, car lourd est mon discours. J'suis là pour faut pas que j'me cours, je fisse au bon endroit. Là où ça fait mal, j'ai donc tiré sur ton épaule emploi. Au bon endroit, devant ce freestyle, tu t'es retrouvé, c'est Cléon, Lulu à la gratte. Oh oui, c'est prouvé que depuis que l'époque est morte, depuis que les potes s'emportent, depuis que les jeunes se révoltent, sortent pour faire tomber les portes. Faut que j'me téléporte, histoire d'être au-dessus de tout. Ouais, j'veux être à la hauteur, mais dans ma tête, c'est sans dessus dessous. Donc j'imagine que si jamais j'arrive, j'en profiterai. T'es une machine, je marche en marchant ma rime au parfum fruité. Mais faut que j'arrête de douter. Écoutez, je floutais les passages de ma vie qui aujourd'hui m'ont bien fait couler. Et dans la foulée, faire ta pousser fou, ouais, qui s'amuse à jouer, se faire sauter dans la foule, ouais. J'en sens la foudre et mon cœur prend des coups. Alors il marche par à coup. Et le coup de cœur n'est pas au rendez-vous, mais rendez-nous de l'amour plutôt que de la haine. Mes peines savourent à peine ce processus de hyène. Chaque jour j'attends d'apercevoir cette foutue lumière blanche. Mais je crois bien que j'ai tout l'année à vivre dans ces flots de l'avalanche. Merci. Le dernier, c'est l'épisode 3. C'est un épisode qu'on a essayé de faire un peu avec des influences un peu été, faire un tube été en fait. Donc le refrain est en hawaïen. C'est ce qu'on a pu, on a trouvé ça rigolo. <t'->
Face à moi, la porte s'ouvre et là, pas à pas, je ne vois pas d'appât. Car derrière moi, d'un coup noir, ça bat. En toute franchise, sans réfléchir, là, je franchis la ligne. Au bout des tonnes de friandises et fruits, m'aiguisent les papilles. Personne pour m'accueillir, à part ces fleurs au cré du vent qui se dorent la pilule sans cesse solo sous un soleil blanc. Je me sens piégé par cette terre, je la ramène pas le plan. Rappé sur ce petit air de marine, pas ma derrière. Liste pas sur là, liste non loin de là. Piste une vie d'artiste m'attend tout en chantant un temps le long de l'étang. Me tend une tente, attend, étant dans les temps embêtant. Je me sens vivant, oui, c'est vrai, mais l'important pour l'être vivant n'est-il pas d'être aimé et aimé? Pourquoi je ne contrôle pas mes réflexions et ce nouveau monde qui apporte les réponses à mes questions? Oh, à l'anima iloko, kare wa amika. Oh, à l'anima iloko, kaimeni. Oh, oh, kaimeni. Oh, oh, kaimeni. De jour en jour, la vie nous distribue des clés à accrocher fermement sur son trou, sur le temps de rester là. Penser à rien ne nous conduira nulle part. Je pense donc je suis n'est pas né d'un livre, ne part partir autre part. Pour côtoyer de nouveaux sols, si le savoir est une arme, tout homme peut faire la guerre seul. Et oui, je m'isole, car j'en prends connaissance que maintenant, face au port du paradis, s'intensifie mes battements. Et bêtement, sans vêtements, aveuglé par cette lumière, nettement embêtant d'avance en oubliant hier. J'aperçois de la vie, des fois l'envie de voir l'ennui banni. Ainsi, l'espoir survit que s'asseoir face au miroir de la nuit. Faut que je fasse un choix, soit je reste planté là, soit je garde espoir avec la force de Mandela. Le monde est là, à mes pieds écrit Jean-Ri. La mort m'a fait une vanne et ça m'a conduit au paradis. Oh, à l'anima iloko, kare wa amika. Oh, à l'anima iloko, kaimeni. Oh, oh, kaimeni. Oh, oh, kaimeni. Oh, à l'anima iloko, kare wa amika. Oh, à l'anima iloko, kaimeni. Oh, oh, Kaimeni, oh, oh, Kaimeni. Merci. Côté Vague, à retrouver en podcast sur le www.radioarverne.com. Côté Vague, la suite. On a eu droit à un petit live avec, pour commencer avec Lulu et Cléon. Axello nous a rejoint aussi. Bonsoir. À tous. Bonsoir à tous les trois. Et puis bonsoir Christian. Bonsoir Marie. On ne pouvait pas parler rap dans cette émission sans avoir Christian Cromarias, l'animateur passionné par le rap et qu'on retrouve chaque lundi soir à 17h pour Hip Hop Vibe. Allez hop, je casse une petite pub. C'est 19h. 19h. Ah, si tu Qu'est-ce te que j'ai dit dans la pub, ça ne va pas le faire. Avant, j'ai dit quoi? 17h. Non, 19h. 17h, c'est mon émission. Puis après, vous retrouvez Christian dès 19h. Tu connaissais Cléon, forcément, Christian? Oui, Cléon, j'étais dans le jury du End of the Week plusieurs années de suite. Et tu l'as saqué ce jour-là? Et je l'ai saqué et sacré, en fait. Ah, c'est bon, ça va. Tandis que Lulu est. Non, je les découvre. Ouais, c'est une découverte ce soir. Vous parlez d'épisodes. On vous a vu là pour ce set, vous parliez de 4 épisodes que vous avez fait dans le désordre, ce qui nous a fait un peu sourire d'ailleurs, parce que vous avez publié régulièrement des vidéos sur Internet. Ça compte pour vous de diffuser vos sons sur Internet, c'est l'essentiel ou pas aujourd'hui? Ben, c'est surtout le partage. On aime bien faire ça quand on produit les vidéos et les morceaux, on prend vachement de plaisir. Et après, on s'est dit pourquoi pas le partager pour que d'autres découvrent ce qu'on fait aussi. Mais avant tout, c'est le partage et nous s'amuser. Parce que vous auriez pu être tenté par un EP ou voilà, un objet de c'est ce type. C'est plus en fait le délire entre potes, quoi. C'est bah voilà, tu fais de la guitare, je fais du rap, vas-y, après on se retrouve et puis on construit un truc, quoi. Et on s'est retrouvé dans ma voiture. Ouais, c'est le premier. On a posé une GoPro et voilà, il a improvisé un truc et basta, un 16 mesures. Et voilà, c'est parti de là. Et après, c'est vraiment ouais, la connexion entre copains. Il n'y avait pas d'idée de partir sur un EP, un album ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on a un petit morceau, on le balance sur Internet. C'est peut-être aussi voilà. Le côté feedback immédiat quand tu
postes un truc comme ça, t'as tout de suite le retour de, du public. Ouais, c'est super enrichissant d'avoir des avis extérieurs. Et surtout, surtout quand on reçoit des compliments, ça motive vachement à continuer à faire ça. Et à changer ou à rester sur le trip du départ, ou ça vous influence sur les prochains épisodes? En fait, quand on fait un épisode, c'est surtout sur un coup de tête. Par exemple, le son d'été, on s'était dit, voilà, c'est l'été, pourquoi pas faire un truc un peu qui bouge, avec des paroles un peu originales. Et on est parti comme ça. Qui raconte quoi d'ailleurs ces paroles? Alors, on s'attendait à cette question. Alors, en fait, ça veut dire lève-toi, saute et chante avec nous. Donc, c'est un truc qu'on avait, qu'on avait pensé en français. On s'est dit, on va essayer de trouver ça en langue un peu exotique. Et on a trouvé du hawaïen. On a dit, on a essayé de chanter ça. Et on a trouvé la sonorité vachement jolie. Donc, on a gardé ça. J'ai vu qu'Axelo, il chantait aussi. Hein, même s'il n'était pas sur le, sur le set, là. Vous connaissez déjà le titre par cœur? Ouais, après, forcément, c'est un cercle assez, pas fermé, mais bon, on est une famille au final, donc forcément on soutient les projets de la ville, et je pense que c'est le meilleur moyen pour qu'on avance tous ensemble, et aller plus loin. Vous chantez toujours en français, que ce soit vous, Cléon, Lulu, ou... Moi oui, français, Moi aussi, je suis pas bilingue, donc et Lulu français. Aussi. Ah, moi, à la base, je chante pas, c'est juste que c'était mieux de mettre deux voix sur les refrains. D'accord. Donner plus d'amplitude au morceau, on va dire. Ouais. Après, de toute façon, le hip-hop, c'est vrai que c'est une culture qui se mélange avec plein d'autres trucs. On peut faire du unplugged, on peut faire de la guitare sèche à côté, on peut mélanger à du hard rock, à de l'électro et tout. C'est pour ça que c'est une culture musicale qui dure depuis des années, parce qu'elle peut s'influencer de tous les styles musicaux qui gravitent autour. C'est la caution intellectuelle de l'émission, Christian. les groupes qui ont pu vous marquer les uns les autres dans le rap, quelle est votre culture musicale? Moi, j'ai commencé avec les Fugees. C'est mon papa qui m'a fait écouter l'album. Me files un coup de vieux, là. Et après, j'ai enchaîné avec les classiques, IAM, NTM, Oxmo Puccino. Et je suis resté assez vieille école, en fait. Années 90, je suis resté dans ces temps-là. Ouais. C'est les classiques années 90, quoi. Moi, en fait, quand j'étais, enfant, j'écoutais un peu de rap et de R&B. J'écoutais un peu, il n'y a pas très longtemps, du Tragedy. Mais en fait, les goûts musicaux, au fur et à mesure du temps, ont changé. Donc maintenant, c'est vrai que c'est plus du rock, de la pop. J'écoute un peu de tout. Le rap passe très bien aussi, que ce soit américain ou français. Mais après, en groupe culture hip-hop, j'en ai pas là maintenant. Mm-hmm. Mais je suis très basé sur le rock quand même. Mm-hmm. Tout début, j'écoutais pas du tout du rap. Le rap, ça m'est venu quand j'étais au collège avec Section d'Assaut. Donc l'écrasement de tête. L'école des points vitaux, après, enfin, plein d'autres albums. Après, maintenant, il n'y a plus de groupe. Mais ce qu'ils faisaient au début, c'était intéressant, dans le sens même technique, la poésie. Mm. Parce que chaque artiste avait son identité. Mm. Donc, c'est ça qui m'a plu. Peut-être on peut leur poser des questions sur les textes. Qui écrit chacun, écrit ses propres... Il faut savoir que Cléon est un très bon freestyler, mm-hmm. puisqu'il a remporté le End of the Week, qui est un concours de freestyle avec plusieurs épreuves et tout, c'est assez normé. Et donc c'est quelqu'un qui est très très bon là-dedans. Veut dire dans l'improvisation ou pas forcément? Tout à fait. Ouais. End of the Week, c'est ils aiment bien, ils ont leurs habitudes à Clermont, ils viennent en général une fois par an. Et c'est un concours où d'abord on s'inscrit, il y a un open mic, une quarantaine de MC passent les uns après les autres. 5 à 6, 7, grand maximum sont sélectionnés pour passer sur scène et puis font des épreuves. Mm-hmm. Une épreuve purement a cappella, donc là on voit tout de suite la connivence avec. Il y a le freestyle bag où on prend dans un sac un objet et on doit faire finir sa rime sur cet objet. Voilà, ça. On a le versus contre le DJ. Le DJ envoie des instrus, il y a tout super lent, super rapide. Et en fait, c'est du rodéo, il doit s'accrocher et toujours suivre le rythme. Et puis, il y a un 16 bars. Le cypher à la fin, entre un 16 bars. Donc, il se passe le micro et enchaîne comme ça.
ils sont jugés, il y a un jury, et puis voilà, il y a un sacre. Puis après, il y a des sélections nationales, il y a des finales, il y a une finale même au niveau mondial. Ouais, nous, on a un Français qui a été élu à Clermont, Restorner, et qui est meilleur freestyler de... Du monde. C'est beaucoup plus positif c'est un bon esprit par rapport au Rap Contenders, qui est vraiment un combat entre deux MC qui se balancent des horreurs les yeux dans les yeux. Un combat entre soi-même, c'est plus on est un peu pas seul sur scène, mais on a l'épreuve et en fait c'est nous qui allons faire l'épreuve, donc faut vraiment soit on assure le jour J avec l'impro, soit c'est pas le bon jour et ce qu'elle en sera. Malheureusement, c'est avec l'improvisation, du coup c'est un peu un jour avec ou un jour sans. Ouais. Après ça se travaille, c'est une mécanique à choper. Mais c'est vraiment un combat contre soi-même. Et puis c'est très enrichissant, on développe de l'assurance parce qu'on peut pas forcément préparer à l'avance, si ce n'est les freestyles, les 16 mesures au début. Mais sinon, le reste, c'est en impro. Quand on a un objet devant soi, merde, j'ai un téléphone, faut que j'improvise avec. Enfin voilà. Et c'est de l'assurance, un peu de confiance en soi. Puis surtout, une expérience unique, on peut bouger dans la France, rencontre des gens extraordinaires. Et c'est cool, c'est une super expérience. En tout cas, vous pouvez tous venir. C'est un super spectacle. Le End of the Week, c'est en général à la Petite Copée et c'est gratuit. Ouais, donc une fois par an. En général. Tous les ans, ils refont les quarts finales dans toute la France. Ensuite, demi-finale, après finale nationale. Mmh. Et tous les ans, ils passent à Clermont quasiment. Et c'est très bien présenté parce qu'on a soit Dandy Gale, soit Gaiden, soit Yoshi, qui sont des super speakers, voilà. Et un DJ d'enfer qui s'appelle DJ Kerry. D'accord. Tu connais ça sur le bout des doigts? Ouais. Un petit peu. Ouais. Oui. que je vienne, que j'ai un truc à dire. Quoi. Bon, alors on n'a pas entendu encore Axello pour le live, mais ça va venir parce que Cléon, vous produisez tantôt avec Lulu, tantôt avec d'autres rappeurs et vous avez monté ensemble un groupe tout récemment, Klaxon, c'est ça, créé il y a 2 ans, c'est tout nouveau encore. Ouais. Presque 2 ans du coup. Ouais. Donc ce rapprochement, ça veut dire des textes en commun ou encore chacun écrit pour soi ou comment vous allez fonctionner? On a choisi des instrumentales et puis après ça se fait au feeling, surtout si on une prod, on va s'il y en a un ou deux qui va pas l'aimer, on va pas la prendre, faut qu'elle plaise aux deux. Mm-hmm. Et à partir de là on peut travailler sur de l'émotion, parce que après j'écris surtout par rapport à ça, je vais pas me dire tiens je vais prendre ce thème, c'est plus du feeling avec l'instrumental. Donc après par exemple, on a fait comment? On a pris un thème, c'est très spirituel en fait, notre EP qu'on a choisi. Et puis donc après on écrit soit chacun de notre côté, soit on se donne une heure et on se retrouve et on écrit ensemble. Mmh. En fait la fusion elle vient du fait qu'on a... On a un fil rouge qui est assez, qui est le même. On a une écriture qui se rapproche beaucoup. Et c'est dans cette idée-là, en fait, qu'on a décidé de faire un EP en commun. On avait une même vision globale de la vie en général. Et vu qu'on écrit sur les mêmes, les mêmes thèmes, on va dire, du coup, c'est sur ça qu'on est parti pour l'EP. C'est ça. Et après, c'est de la sélection d'instrumentales. On se voit pour écrire ensemble. Mais c'est vraiment un projet qu'on bosse ensemble. D'accord, donc EP à venir, 2018? On préfère pas s'avancer. On est en février, ça vous laisse un peu de marge. On va tout faire pour. On va essayer, c'est en préparation, en cours. Ouais. Bon, on vous laisse retrouver l'espace dédié au live et on repart pour un set un petit peu plus long, cette fois-ci d'une vingtaine de minutes, avec Axello et Cléon, donc pour Klaxon. Et puis nous, Christian, on repart dans la salle. Radio Arverne et le service culturel de Gerza s'associent pour l'émission concert Côté Vague. Souviens-toi de nos années passées, assez de temps pour effacer et amasser nos futures pensées. Tu
percer. J'essaie de laisser l'excès de pensée censé percer. La psy de l'accès censé percer notre premier verset. Souviens-toi du moment dans la cour de l'école. En filant ton plus beau col, tu fais la cour, ressort de colle. Et maintenant t'en rigoles. La tête creuse, telle une rigole. Des 16 meufs que tu bricoles, mille et une facettes de ton idole. Souviens-toi, avoir gardé la foi, parfois sans voix pendant des mois. Tel est ton choix en tant que villageois. Tu villageois ou pas? Pourquoi tout ça? Tu dis la voix? Je vois pas. Pourquoi tout te déçoit? Souviens-toi de tes histoires de cœur qui ne font qu'attiser la peur. En toutes ces heures de dure labeur et sans rancœur je meurs. Car la peur demeure dans les mœurs, ce qui offense l'ignorance de notre demeure. Une petite voix me dit, plus le temps passe et plus mes plaies s'ouvrent. J'attends que l'on me guide, mais je ne sais pas comment en découdre. Une petite voix me dit, plus le temps passe et plus mes plaies s'ouvrent. J'attends que l'on me guide, je ne sais pas comment en découdre. Une petite voix me dit, plus le temps passe et plus mes plaies s'ouvrent. J'attends que l'on me guide, mais je ne sais pas comment en découdre. Une petite voix me dit, plus le temps passe et plus mes plaies s'ouvrent. J'attends que l'on me guide, mais je ne sais pas comment en découdre. Alors le prochain morceau c'est, en fait je fais un peu de danse à côté, je fais aussi du break, et du coup je me suis dit un jour, bah pourquoi pas essayer de rapper sur une instrumentale de break, donc avec un tempo qui est beaucoup plus, enfin un peu plus élevé, donc du coup on va tester ça. Axelo, tu me suis? Je te suis après. Tiens. J'attaque le mic car je sens qu'il a besoin de causer, de se poser à mes rimes posées que je crache tous les soirs tard. Moi c'est dans le bizarre, je me dois t'aider à relever la tête. Et mince, c'est pas des textes peuples, il va pour retrouver sa quête. Souvent je m'inquiète de son état, j'écriture pour lui. Ma plume est brillante de respect, donc j'ai l'écriture polie. La folie, un mauvais compagnon qui cherche à m'embobiner. J'ai fait le tri de mes pensées depuis que j'ai rembobiné les idées, c'est pas si mon avec ma tête en poule. J'ai mis les choses au clair pour éviter tout mini poule. Repartir sur de bonnes bases, avoir un but précis, pouvoir rester ici, histoire que bitouette je l'écrase. Toujours en stock des phases, mes rimes, elles sont épuisées. Un jour on se traite de naze et la déprime, viens nous consoler. Désolé, je rentre par dans tous vos critères, une seule de vie, j'attaque le mec, voilà mon cri de guerre. Obsession, obsession, c'est trop bon dans les sessions. Rapper improvisation, de texte en condensation, content d'action. Comme une plume grâce à l'encre à ton contemplation. Quand vous allez que c'est pas celle l'encre, attends, je m'en centre, je rentre, j'ai ventre, le ventre des gants. Entre temps, je défends dans mon camp quand la concentration s'étend et tend. Que la possession sera de mon côté les temps. Et les beaux poissons ne seront pas à mon côté. Tout ce qu'on dit ne vit pas. Si l'envie de nos pas n'a pas, t'as pas en direction des rêves que l'on voit sans ça. Pas grand chose de sensationnel, absence d'essence, une essence d'essence devient rationnelle. Amour passionnel avec la rime au moyen d'expression. Déployer ses ailes, ça lui arrive quand vient la pression. Faudrait que l'impression d'une lettre copée en 3D donne l'impression qu'elle existe en réalité. Faudrait que l'impression d'une lettre copée en 3D donne l'impression qu'elle existe en réalité. Comment te dire toute la haine que j'ai devant moi, car comment me contenir tout peine arrive à faire tes frags. T'as pas le droit de te laisser bousculer, non ça c'est pas toi. Pas toi, surtout ne te retourne pas, ce sentiment qui m'emprisonne. T'as mal quoi, chaque fois que je parviens à me saisir. Le mal ne fait que s'embellir, vous semblez lire entre les lignes et dire que la vie c'est synonyme de pire en pire. Avec mon empire en pire, mais je respire, j'y mets le cœur. Et sans peur, pendant peur, sans prière, j'ai plus peur de perdre un monde meilleur. Comment avoir la même, j'arrête, notamment la peur que la vie s'arrête. J'arrête les faux pas, les faux pas, mes faux pas, c'est trop tard. Mais pourquoi t'es comme ça, ma haine est viscérale. Je sais pas, c'est comme ça, ma haine est viscérale. Normal que j'ai mal. Dire, la vie est un long combat, au final on est tous au même endroit. On sait tous que la vie c'est comme ça. Dire. On voudrait tous un peu partir, on peut un peu voir loin. Dans notre avenir radieux, rempli de rêves rouges. On ne veut pas être honteux sans ce coin noir qui veut saisir nos voeux. On voudrait voir tomber ce décor ombré, censé nous maintenir pour ne pas sombrer. On n'est pas prêt de finir tout ça vagabondé. Les remords sont apparus. Perso j'en peux plus de voir les gens qui ont disparu. Je vis pas dans le négatif, pour seul de vie sans plus. Il faut que je médite dessus, déçu par les sédatifs, on rêve d'un monde sans ans déchu. La chute est longue, faut savoir prendre le dessus. Pour y voir plus clair, faut parfois prendre du recul. On voudrait tous avoir une vie heureuse, mais c'est pas fini, car le bonheur, lui, ne se cachait pas dans ta berceuse. Il est indéfini jusqu'au jour où la lumière lui. Où ce besoin, la vie c'est comme ça. La vie c'est comme ça. On partira tous un par un. J'agis comme un homme sage, cherchant le bon chemin. Parfois tourner la page, faire face au destin. On est où ce besoin, la vie c'est comme ça. La vie c'est comme ça. On partira tous un par un. J'agis comme un homme sage, cherchant le bon chemin. Parfois tourner la page, faire face au destin. On est
J'aimerais tout un peu avoir du changement. Du changement, du changement. Mais c'est vrai que la vie peut être noire étrangement. Noire étrangement, noire étrangement. On voudrait que la vie soit plus belle un moment. Un moment, juste un moment. Avec les deux secondes même chaque instant. Chaque instant, ouais, chaque instant. Je ne sais pas pourquoi l'avenir n'est pas si simple. Mais je reste sûr de moi malgré la vie et ses contraintes. J'ai trop souvent défailli dans ma vie. Je veux que la paix se rétablisse, que la misère fasse faillite. Je veux pas laisser tomber même si le mal est déjà fait. C'est pas normal de voir un proche succomber. Ne pas confondre ceux qui s'effondrent et ceux qui ont su tomber. Accélo a su tomber. On éprouve ce besoin, la vie c'est comme ça. La vie c'est comme ça. On partira tous en parade. J'agis comme un homme sage, cherchant le bon chemin. On va tourner la page, faire face au destin. On éprouve ce besoin, la vie c'est comme ça. La vie c'est comme ça. On partira tous en parade. J'agis comme un homme sage, cherchant le bon chemin. On va tourner la page, faire face au destin. On aimerait tous un peu avoir du changement. Du changement. Du changement. Mais c'est vrai que la vie peut être noire étrangement. Noire étrangement, noire étrangement. On voudrait que la vie soit plus belle un moment. Un moment, juste un moment. Avec les deux ceux qu'on aime chaque instant. Chaque instant, ouais. Chaque instant. On éprouve ce besoin, la vie c'est comme ça. La vie c'est comme ça. On partira tous en parade. J'agis comme un homme sage, cherchant le bon chemin. Parfois tourner la page, faire face au destin. On éprouve ce besoin, la vie c'est comme ça. La vie c'est comme ça. On partira tous en parade. J'agis comme un homme sage, cherchant le bon chemin. Parfois tourner la page, faire face au destin. Faire face au destin. Ah, je crois que la MPC a un bug. Attends, c'est quoi, j'ai une roue de secours si tu veux. C'est grave. Non, c'est juste qu'elle a surchauffé, je pense, mais t'inquiète. Tu me suis ou pas? Ouais, ça m'inquiète un peu, mais vas-y, tout de suite. Fais-moi confiance. Vas-y. Oh! Yeah! Est-ce que vous êtes chaud? Non, 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 non! Non, non! Est-ce que vous êtes chaud? Un peu plus de bruit, s'il vous plaît. Merci. Yeah, yeah. Je crée l'hystérie des rires, fils des piles, rêves terribles. J'écris des rires, des tirs que beaucoup se disent terribles. Je vais tous les cuire avec ma mire. Je tire, je vis, je vire en Ferrari. Harry, le pire Harry, révise tes rimes. En croyant que ça varie, je pars en safari. Évite les nuits blanches, mets pas tes mains dans la farine. Rime fat, en attendant que dans nos poches, le pif squat, c'est pour la famille et nos proches. Quand je m'accroche, je bosse. Tant de rimes adéquates, toutes que l'approche en face, comme un chauve qui se décoiffe. Ça prestille. T'attends que la trapéziste, c'est pas des travestis, mais des trapéziste dans le rap, je m'investis. Tu fais style, je te croire tout permis, mais je les prends comme si c'était des véhicules. C'est facile, je suis le meilleur MC, même si ton rappeur est connu face à moi et ridicule. Pourquoi tu gesticules? On va pas s'en cacher. Même si je voudrais te refaire le portrait, mais je peux pas t'encadrer. Encrasé, car quand je rappe, je fais l'effet d'une calotte. Ils nous prennent pour des ânes, c'est pour ça qu'on met des carottes. Allez, rager, bande de rageux, laissez ton passer l'orage. Je viens faire des ravages. Je veux que je guette tous les MC fantômes. J'enquête dans le paranormal, pas de paranormal, je vous mets le feu. C'est mon côté pyromane. Mal au crâne, accès notre vie au goulot. La forêt c'est comme la vie, tu prends un pain à l'emboulot. Attention, est-ce que ça marche? Oui. Ah, pas mal ta petite technique pour laisser se refroidir. Bien plus que toute fortune. Et dès demain, on part repousser le bitume. Le bon matin à l'heure où déménage la lune. Je t'emmènerai loin sur mon lieu de fortune. Une poignée de main, ça vaut bien plus que toute fortune. Et dès demain, on part repousser le bitume. Le bon matin à l'heure où déménage la lune.
face contre terre, ça me fait mal de regarder la boussole. Je m'entête ouvrir les portes du paradis avec une clé de sol. C'est grave, tu m'isoles et c'est vrai que j'aime bien rester seul. J'ouvre pas souvent ma gueule, je me bats avec ma carmisole. De force, je m'efforce à pas perdre la tête parce que je doute qu'un GPS existe pour retrouver sa quête. Du coup, je gratte des bouts de papier que je laisse sur mon chemin. Comme le petit poussé, petit, je pensais que je pousserais toujours loin et que le putain serait constamment à ma portée. Mais sans matière première, le bonheur, personne ne peut me l'apporter. De les abysses au plus profond de mon âme, il se renferme. Peu propice, il a puté le malheur, y a pris ils sont fermes. Sans pote, il vit derrière les barreaux de nos côtes. Continue à grimper pour savoir ce que cache une vulgaire cote. Ce sera le meilleur moyen pour essayer de le côtoyer. Il finira par se noyer si on ne recherche pas son bien. Je t'emmènerai loin sur mon lieu de fortune ou une poignée de main, ça vaut bien plus que toutes vos thunes. Et dès demain, on part épouser le bitume. De bon matin à l'heure où déménage la lune. Je t'emmènerai loin sur mon lieu de fortune ou une poignée de main, ça vaut bien plus que toutes vos thunes. Et dès demain, on part épouser le bitume. De bon matin à l'heure où déménage la lune. Moi ce qui m'attire c'est de marcher à grands pas dans l'inconnu. Avec la vue qui souffre t'as le martyr face à chaque coin de rue. Faire face aux problèmes fait partie des bonnes solutions. Terre à terre en équation, conclusion je mène une vie de poème. Les poèmes ne sont que des mots alignés en file indienne. Une fois bien placé entre les points ils élèvent la moyenne. J'évite les verres que lorsque je pousse une brève exclamation. J'ai pas caché ma peine derrière trois petits points comme abréviation. L'approbation de la conscience quand elle joue des tours. Devant Sartre une mauvaise carte et ça pique sur le chemin du retour. Si je me retrouve à la porte je donnerai tout pour franchir le seuil. De la chance avec sur moi mon trèfle à quatre feuilles de deuil. Je fais partie des mauvaises graines qui continuent de germer. Dans une sépulture, attendre la mort sur un sol à damier. L'arbre une course avec un top des parents. Décalage à n'importe quel âge, des hauts débats comme la courbe d'une bourse. Je t'emmènerai loin sur mon lieu de fortune ou une poignée de main, ça vaut bien plus que toutes vos thunes. Et dès demain, on part épouser le bitume. De bon matin à l'heure où déménage la. Sur mon lieu de fortune ou une poignée de main, ça vaut bien plus que toutes vos thunes. Et dès demain, on part épouser le bitume. Bon matin, à l'heure où déménage la lune. Le prochain morceau, c'est un morceau qu'on a fait pour un concours qui se passait sur Internet. En fait, il y a plusieurs beatmakers qui font plusieurs instrumentales. On choisit une instrumentale qui nous plaît. Et on a un délai pour enregistrer un morceau. Et donc nous, on a fait un morceau par rapport à l'alphabet. En gros, je fais une lettre, il fait une lettre, et je fais une lettre, il fait une lettre, et ainsi de suite. Vous allez comprendre. Ça s'appelle Draw My Alphabet, parce que le beatmaker s'appelle Draw. Y'a pas d'abracadabra, mon gars, j'ai lâche, me bats et lâche mon âme qui tâche. Allure barracuda, je nage de page en page, je farce au lâche. Baby, le beat est bon, j'ai un bon appartement. Dès le débarquement, à la bonne appart. Dans l'excès, beaucoup essaient de rabaisser, mais faut pas complexer, ni délaisser l'accès de nos pensées, passer l'heure d'un décès. Dorénavant, j'arrête Donald et la française d'été. Doré d'argent, je me trompe pas lorsqu'il s'agit d'aider. Je lève les yeux vers les cieux, pas d'adieu, face à Dieu. Élève curieux et ténébreux, mais soucieux d'être merveilleux. Passons la folie, c'est Facebook et ses autographes. Et faux amis me font mal, donc je m'autogreffe. Et gagne le gage du combat. Gagne, cause la guette, guette en ronde, galébé comme un compas. Sache que ma rage crache, je l'arrache à la hache. Et rabâche que mes phases s'arrachent de ma page. Sur mon île, j'insiste à dire que oui, ça tire. Et la satire attire des cris, des rires dans un nid d'amour qui va plus me remontir. C'est le jour J, donc dans le rap, j'agis. Tombe à tas de rap fragile, grande comme une bombe en Géorgie. La boule est calibrée, je calais mes cartes aux quatre coins. Car capuche est caché, mon cas en carence de cash, et voilà l'écart. L'alphabet m'a rendu, il est très vrai qu'il est très fort. Tout le long de l'effort, le vestige, il est très. Je mène une vie de bohème et je sème des thèmes que j'aime sans flemme. Même s'il me plaît, mais l'époque était NTM, puis rouler comme un M. J'ai peine à avancer, j'ai trop de peine qui règne, j'ai trop de peine qui saigne et encrasser mon ADN. C'est chaud, gros, j'ai l'écro, je suis accro au micro, j'en dis trop. Lorsque j'ai la dame à dos, ce n'est pas d'amido qui refera la déco. J'ai pensé qu'à dépenser mes points, pourtant c'était loin, mais pas là pour faire le point, pas de hasard comme s'il était pensé. Derrière mon écu, son se cache mon vécu, que j'ai vaincu et en sécu, oui, mon écu ne sautera pas tel un capu. J'arrive rarement à m'en remettre, comme la perte être cher, ta chair frère se déchire. Ça c'est le pire cas.
carrément. J'ai pas la souplesse pour esquiver la faiblesse. On sans cesse j'acquiesce des promesses dans ma forteresse avec des lettres de noblesse. Toute ta tête est déteinte, hein? Tout le temps comme Paris Hilton. Ah. Je suis le tonnerre, donc t'étonne pas, c'est un Paris Hilton. Dès le début, j'ai vu des arts plutôt plus assidus, répandus par des individus détendus face à la tribu régitue. J'élève le niveau au casino, je voudrais gagner ce gain. Je veux pas être pris pour un mouton, mais pour la chef de monsieur Seguin. Jackson, c'est tellement frais. Sache qu'Hollywood et Kerr sont pas si près. On fait ta fête comme Ali à Hollywood Baker. L'arcaïa me rime, la prose est classe et X. Ça fait l'effet d'un quand Martin mix. Et y'a on navigue sur un yacht direction l'alphabet. Dans notre mode, des killers, surtout pas d'alphabet. La fusion avec gros ne se résume pas à zéro. Notre langue est une épée, on laisse une trace comme Zorro. Le dernier morceau, c'est un freestyle avant l'EP pour annoncer la sortie. Eh, ça fait un truc genre des balles et pas le tapis rouge. J'ai pas les mots en trente rouge. Ça fait des mois que je me bouge. Regarde ma bouche, ouais. Car là je vais toucher, te coucher, t'arracher, amocher. Tu vas devenir fauché. Hocher la tête, c'est ce que je fais sur ce gros beat. Je viens décrocher la fête, marre des gosses qui montent. Mais oh, c'est trop tard pour me libérer tous mes fardeaux. Oh, et le trottoir qui me sépare de mes rivaux. J'arrive au départ, taper des barres, creuser l'écart à l'équipe d'en bas. J'arrive dans la mare, attraper le dard, écoser mon barbe au niveau du bois. J'avoue que tout ce qui tourne autour des tours me joue des tours, mais sans tes tours, je cours dans le bourg au secours, car lourd est mon discours. Je suis à la bourre. Faut pas que je me cours, je vise le bon endroit. Là où ça fait mal, j'ai donc tiré sur ton épaule. Bon emploi. Au bon endroit, devant ce freestyle, tu t'es retrouvé. C'est klaxon, radio Arverne, j'espère que t'as capté. C'est freestyle avant le P. C'est freestyle avant le P. C'est freestyle avant le P. C'est le freestyle. C'est freestyle avant le P. C'est freestyle avant le P. C'est freestyle avant le P. Yeah. C'est le freestyle. Ça fait un truc genre crime, rime, fatidique, stream pour la rime satanique. Je pime ta musique, in tous tes rites dramatique. Mon stylo pique-nique, les lyriques pique-nique, je mérite. Je t'explique sans limite que je frise, beat le frite, j'effrite la frite sans polémique. Les MC on les... Je dis que c'est nickel, nique, ça n'a ni tête ni queue. L'opin, elle s'y plante, il veut copieux, tel un vieux, soucieux d'un vieux vœu. Car oui, je veux de l'argent, du sexe, de l'art. Mais pourtant, je reste de l'art. Longtemps comme Pola, comme ce qu'il est Pola, d'autant annexe Pola. Voilà, j'ai la rime tranchante qui décapite, ça décapite, ça décapote. Un mégabit, un mégavote, quand on compte mégavote, gappa, compte mégavote. Petit qui s'initie, si, si, félicite, et si, t'es si, si, illicite. Te plébiscite, tout est récit sous vodka. C'est le freestyle avant le P. C'est le freestyle avant le P. C'est quoi? C'est le freestyle avant le P. C'est le freestyle. C'est le freestyle avant le P. C'est le freestyle avant le P. C'est quoi? C'est le freestyle. Yeah, klaxon. C'est le freestyle. Donc, émission Côté Vague, eh bien, ça se poursuit. Première partie, c'était Klaxon. Deuxième partie, qui va être assurée pour ce plateau dédié au hip-hop avec Division Blindée. Ils sont deux, ils sont représentés aujourd'hui par Pasteur H et Soupa Mario. On va les retrouver tout de suite et puis ensuite, on échangera avec eux sur leur parcours. Division Blindée. Radio Arthur. On vient faire des vagues à la vague. Tu dis vague? Moi je m'assois. Si tu veux. C'est vrai que c'est un peu calme. Mais je vais pas m'asseoir moi. Reste debout toi. Yeah, yeah. Pas prêt, périr petit, je gratterai. Dérime, dérime, tartève au délire péri. Ta tête, fière, mes pires. Starter ou dédié, rappeur ou débit. J'rappelle aux petits qui sont tout pas codibi. On te rapporte la pépite, ça rapporte jamais les flics. On te fait par amour, on s'en pas net, tu fais pas tes tics. Sur le trône, nous sommes tous trop bien assis, mec. Trouve vos défenses, sur un bout portant, genre à 6 mètres. Hip hop ou par balle, c'est hip hop ou pick flop. Ou petit crotte ou petit slop. Ou petit stop ou barbare. Ou petit fuck ou bâtard. Impossible de nous détrôner. Comme du mort sa patate, comme du corps sans cartable. Pas prêt nous car les fallait. Ramener de riches flots. Pas de phase ça les fallait. Ne pas être des rivaux sur le trône. Comme n'est pas prêt à vous périr. C'est par amour du coup que vous confiez en pas prêt de périr.
Cobra sort la jure, on n'est pas prêt de périr. Les poils des rages s'érissent, je les mets en touche. Je les porte tous sans doute, sans doute frappe les débats terribles. J'frappe ici, t'apprécies. Man, n'hésite pas à partager, life is it. Trop de flow, quand tu m'écoutes, les coupes et les boucles. Tu crois que tu découvres le rap, mes coupes, les trans amnésiques. Gaz dédié à mes gars qui gâtent mes petites faces techniques. Très dire Jacques, mec, c'est grave délicat. Mes rimes t'amènent vite à des milliers de matchs. C'est toi que ça pas tard le chinois. Si tu n'es, j'crois que c'est l'histoire qui a voulu qu'on évolue comme des kings, des maîtres. Et oui, jeune mec, tu risques de perdre et vite de mettre ta rage contre nous, pas ton tour. J'crois qu'on joue dans la même base qu'on sache qu'on touche grave en tout cas. Oh, donne l'alerte, ça fait. Oh, donne l'alerte, ça fait. Arver, 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 arver. Donne l'alerte, ça fait. Oh, donne l'alerte, ça fait. Oh, donne l'alerte, ça fait 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, de prendre cet accord, d'abord, on met tout le monde au bout d'accord, d'accord, d'accord. On est tous au fini d'accord. Alors, comprenez qu'on va vous détrousser. Tout pète comme un banane, tout c'est de la banane. Refait, je refais. Tout pète comme un banane, tout c'est de la banane. Refait, la sortie des lions, quand les lions se cachent dans la savane. Nazik à safari, ça varie pas, ça varie grave. Quand on se doute à Paris, bras. Magic et ma ville, gare, avec un Paris, je m'en. Vas-y, qu'on passe des marines et tout, j'y suis. Tu veux, tu sens, tu lourd, tu es bon. À foutre, à fond de ta vache, vas-y, pécache. La pluie, le vent, on a rouillé, c'est vrai comme le verre de pH. Trouve le pas, pas le goût de rafale, tout méga va, toutes les cadavres, tout le savoir, tout le savoir, tout le pas, à 12 mais je pète tout ça là. Voilà encore un son que tu ne pourras pas éviter. On arrive, je transforme, regarde à ne pas finir décapiter. L'idée, balancer nos flots, nos textes sur la prod, faut noter que même sur la trappe, on garde nos idées. On vient, mon piquet, c'est pas compliqué. On a un train d'avance, t'as pas encore acheté ton piqué. On fait plus de bruit qu'Harley, c'est l'heure d'arrêter de parler. D'ouvrir tes grandes oreilles comme Mickey, tout péter, toucher des bougues et des bougres. C'est ce qu'on vient faire. Tu crois que tout était cool? Laisse. On arrive lourd, si tu sors le loot. Laisse. On t'assure qu'on ne le fait pas exprès quand nos coups blessent. Écoute l'exposé, reste posé. Tes prods, tes textes, on vient les exploser. On démonte comme José, mauvais, 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 vont se sauver. On vient tous les couler, saouler des photocopies pour analyser d'où vient leur inspiration. Faut faire des coloscopies, les boulets, des wagons, poteaux, j'te dis, des traînés qui ont perdu depuis là. Les poteaux maudits, va balancer les ogives dans le fromage, dans la pizza, toi en face de toi, t'es l'olive. T'as pas le style, man, pas de mic à palper. Taille-toi, car toi, t'es pas prêt. Il faudrait que tu te raisonnes. Quand on écoute vos sons, on se dit ça va aller. Ne nous appelle pas, on n'a plus de réseau. Comprends que ta pilule, on a du mal à l'avaler. On ne cherche pas à ce que tes trucs se résorbent. On capte pas vrai l'air, mais pour autant, faut pas chialer. Ne crois pas que ta tendance bute les autres. Reste ouvert, écoute la vraie musique, ça va te parler. Et toi, petit chat sonore, n'oublie pas que si tu te casses la nuque, c'est que je me casse le huc sur quasi chaque semaine. C'est pour les initiés trentenaires, fans de gros kicks et de grosses nerfs. Tout par d'autres hippies, pas juste parce qu'ils sont morts. Je rappe pour les connaisseurs, les puristes, qui kiffent les sons, même les plus tristes, tandis que les autres se retrouvent à saut en mégomore. J'en place une pour les ténors. J'ai pas de citer de place, faire ta phase arrive imprévisible façon météore. Tu sais que c'est gore, c'est que je me perds à la prod. On prépare les deux de l'accord, ma lampe c'est pas du perf et gore. Mec c'est mort, le rap c'est devenu de l'image. Et c'est seulement si il la ferme ses vers que le texte est dans mes frères c'est le port. Telle la rime fraîche et mortelle. C'est rare comme une descente de flic à 6 du mat sans graisse de porc. Hey yo, c'est Jimmy plein des flayers. Nos connexions comme la ligue des champions ou les players. Y'a rien qui change, il faudrait que tu te raisonnes. Quand on écoute vos sons, on se dit ça va aller. Ne nous appelle pas, on n'a plus de réseau. Comprends que ta pilule, on a du mal à l'avaler. On cherche pas à ce que tes trucs se résorbent. On capte pas vrai l'air, mais pour autant faut pas chialer. Ne crois pas que ta tendance bute les autres. Reste ouvert, écoute ta vraie musique, ça va te parler. TV Blunt et Flayo brise votre âme. Oh, oh. Ni les flingues, ni les ayo guident nos fans. Oh, oh. Bordel sur chaque track, gros texte pur sale façon de frapper la prod, gamat, la procédure patate. On s'attarde pas à regarder la tendance, on fait juste ce qu'on pense, bon de faire. Mon frère, posé sur le canap. Et sur chaque son mort, nos voix font des impacts sonores. Tu kiffes pas, je m'en bats, j'ai pas du son pour que les schlags honorent. On n'attend pas le rock mort ou que la mort frappe aux portes. On marche, on écrase dans des tas de cloportes. Pas des sales opportunistes, salopards qui galopent partout. Dès qu'il y a du nouveau, pas des gars qui partent d'autre part pour la mode, mais qui font
font ça par passion. Si j'étais le dieu du rap, je t'assure qu'il y aurait d'innombrables damnations. Rien qui change, il faudrait que tu te raisonnes. Quand on écoute vos sons, on se dit ça va aller. Ne nous appelle pas, on n'a plus de réseau. Comprends que ta pilule, on a du mal à l'avaler. On cherche pas à ce que tes trucs se résorbent. On capte pas vos délires, mais pour autant, faut pas chialer. Prends pas que ta tendance bute les autres. Reste ouvert, écoute la vraie musique, ça va te parler. Affaire, ça va te parler, 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 parler. Ça va te parler, 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 parler. Mais oui. Merci, ça va te parler, je crois que c'est le moment de parler en plus. Ouh, j'ai plus d'énergie. Moi j'ai plus de souffle, j'ai plus rien, je dis direct. Moi non plus, on va peut-être y aller du coup. Côté Vague, à retrouver en podcast sur le www.radioarverne.com. Non, non, vous allez pas vous en tirer comme ça. On va discuter un peu, même si vous avez... Oui, c'est vrai que c'est physique, hein. C'est-à-dire que vous tournez un peu comme des lions en cage aussi, là. Ah, pas mal. C'est déjà pas mal. Christian, en tant que gros amateur de rap, de hip-hop, je parle de passion, tu connaissais Division Blindée? Ouais, je les connais aussi. Je connais Phoenix aussi, qui fait partie du collectif. Et vous n'êtes pas les seuls, je crois. Il y a d'autres personnes. Non, vous êtes très nombreux. Bon, allez. On a tous les big up, alors. Allez-y. Vas-y, je t'en prie. Vous allez en rater deux. Alors, on commence par Soldat Zaza. Gros big up, qui est un des fondateurs avec nous deux, d'ailleurs, au passage. Alors, on va passer aussi à Jonat. Exactement. Son frère. Junior. Junior. Et ben voilà. Un gros big up à R aussi, également. Ouais, en fait, j'ai même plus la force. Ouais. Je suis désolé, j'ai pas pris la liste là. Ouais, je sais pas, vous êtes à 4. Merde, Marie, tu fais pas de bah 4, un gros big up à Mario et à Pastor H. Bah oui, ouais, qui est là. D'ailleurs. Ah, vous gros, êtes là. Un gros big up à Effet Spécial également, à Erko, ouais. Et puis Erko. Il en manque un dernier. Je suis sûr qu'ils en inventent. On l'a pas cité, je suis désolé. Même pas, c'est ça le pire. Je suis sûr que si le gars qu'on a pas cité. Et Jean-Pierre Foucault. Ouais. Non, je déconne. C'est qui qui est parti depuis longtemps. D'ailleurs, on en vient. Phoenix, ouais, c'est ouais, oui. C'est bon. Le bah oui, bon, c'est bon. Au nom des, non, tant qu'on parle des noms du collectif, d'où vous viennent ces noms, Pasteur H, des Blazes et Soupa Mario. Ah, tu le dis mieux là. Hein. Ah bah je me le disais pas comme ça. Ouais, hein. Non, Supa. Non. Ouais. Soupa, Suppo, c'est chaud quand même. Moi, ça me vient de mon apprentissage quand j'étais minot. Il y a 2-3 ans, quoi, par là. Et ouais, ça date de ouais, il y a 17-18 ans déjà. Un surnom donc. Bah, en fait, moi je m'appelle gamin. Romain et en fait, ouais. c'est un anagramme de mon prénom en gros. Mm-hmm. Voilà. D'accord. Et Pasteur H convaincu. Alors ouais, moi, dis oui, dis oui. Oui, oui. Non, moi Pasteur H, c'est parce que. Alors, peut-être un peu moins quand je rappe en groupe, mais quand je rappe tout seul, je parle beaucoup d'amour dans mes textes. Pas forcément l'amour homme-femme, hein, l'amour d'une manière générale. Ouais. Et du coup, le pasteur, il prêche pour l'amour, donc je prêche pour l'amour et H parce que je prêche pour l'humanité. Donc Pasteur H. D'accord. Voilà. Ouais. Vous a saoulé? Pareil. Non, non, non. Enfin. Je peux débattre encore si vous voulez. On parlait des prods tout à l'heure, là, quand on était un petit peu backstage. Ouais. Je trouve qu'il y a vraiment de grosses mélodies sur vos instrus. Alors, y merci. A bonne prod, c'est toi qui l'as fait? Alors, je fais pas toutes les prods. La dernière qu'on a écoutée, par exemple, c'était Casper qui l'a fait. Je sais qu'il aime pas qu'on te dise ça parce qu'il s'appelle Casper, il porte bien son nom. C'est qu'il veut être un fantôme. Il veut pas qu'on parle de lui. Il veut être un soldat de l'ombre, mais il fait du bon Casper, taf. Casper, big up! Il fait du bon taf, alors on le big up. Exactement. Et après, ouais, sinon, je fais pas mal de prod dans Division Blindée. On est quand même quelques 3 ou 4 à en faire. Et je sais même pas si on a eu des prods à moi sur la première partie là. Si, on en a eu une. Je sais plus laquelle. Alors, en tout cas, même plus de ce qu'on a fait. C'est pour peut-être dire, tu vois, le faire un peu. Donne l'alerte. Ah, donne l'alerte. Non, donne l'alerte, c'est KO2. Gros big up à KO2 aussi. Ouais. En fait, voilà. On a que des big up à passer. Il y aura des prods à moi. On fait des big up après on enchaîne ou comment ça se passe? Ah si, oui. Il y a la troisième. Plus encore, il y avait une prod à moi. T'as des questions? Voilà. Non mais voilà, ouais, je fais dans quelques la merde. On fera une liste longue comme ça après sur la vidéo. On mettra tous les remerciements avec okay, les big up et tout ça. Ouais, ça vous va? Oui, parce qu'il y a 18 personnes qui ont parti. On n'est pas encore là, on verra après. On revient sur l'année 2012. Attention, dans vos mémoires, un grand souvenir pour vous, vous y avez une belle première partie, c'était Place de Jaude et ça vous a marqué. Ouais, d'autant plus que c'était un peu avant la fin du monde. Normalement 2012. Ah ouais. Il y a eu décembre 2012. C'était en juin. Soupa donc, Mario. Ouais. Donc on a fait un gros Pasteur H. Non, lui non. Non. Toujours moi. Allez-y. Que moi. Ouais.
Mais non, c'était la première partie des Lords of the Underground. C'est quand même. Tu peux le redire dans le micro, s'il te plaît. Je passe pour Calimero. Mais c'est plus drôle si je le dis hors micro. Non, ouais, c'était la première partie de Lords of the Underground. C'est un groupe que j'écoutais dans mon post-cassette. Exactement. Wow. Le plus jeune. et ouais, effectivement, c'était un petit peu impressionnant du coup de poser devant eux, surtout que. D'autant plus que c'était une belle scène, il faisait beau, et c'était la première fois, je crois, qu'on était tous les neuf. Il en manquait un encore. Il en manquait un, il manquait FS. Pardon, pour le gros mot. Ouais. À la radio et des. Il y a d'autres dates comme ça, d'autres concerts qui vous ont marqué. Mm-hmm. Ouais, lesquels, par exemple. Très récent, on a fait la première partie de La Rumeur avec Phoenix. Ouais, c'était la puce à l'oreille. Voilà, c'est ça, à Rion. Et c'était pour le collectif Justice pour Wissam. Mm-hmm. Et moi qui connaissais pas Wissam, j'ai fait connaissance avec sa famille et franchement, ça m'a beaucoup touché. Ouais. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à soutenir au maximum et à se renseigner au maximum sur cette affaire. Ouais. Ouais, d'accord. Voilà. Christian, est-ce que tu as d'autres questions ? C'est bon, merci. Et bonne soirée. Non, non, j'ai trouvé les prods sympas. Je sais pas, qu'est-ce que vous influencez sur quoi ? C'est quoi vos trucs ? Tu dis que t'écoutais les Lords of the Underground. Ouais, les Lords, les Who. Le Wu-Tang, pas les Wu, le rock, même si j'en ai. Il se tourne vers moi quand même, hein, quand il me dit. Il sait à qui il s'adresse. Ah, j'ai remarqué deux, trois trucs déjà, c'est pour ça que je précise. Okay. Wu-Tang, non, après Mobb Deep, Henri Quin, après en français, on avait tellement Time Bomb, Sector A, un peu à l'ancienne quoi. Moi, en récent, je suis pas très Jul, à mort Jul. Non, j'ai code. Non, je suis pas très rap récent, à part peut-être Russ. Si quelqu'un connaît Russ pour moi, Russ. C'est. Ouais, il est fatigant avec ça d'ailleurs, au passage. Russ, c'est mon gars. Ça aurait pu être un gars que j'apprécie, Russ, et à cause de lui, j'arrive pas. Il voilà. Vous a saoulé. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est vrai qu'il est bon quand même, j'aime bien. Et toi, Pastor H ? Alors, moi, c'est plutôt Aqua, Britney Spears, Scatman, des trucs comme ça. Le gars est sérieux en plus. Non, moi, j'écoute vraiment de tout en fait. J'écoute de tout, je suis pas du tout fermé musicalement, sauf du black metal. Non, j'écoute vraiment de Big tout. Big up à Jérémy. Non, j'écoute vraiment tout. En plus, mon frère était batteur dans un groupe de punk rock aussi. Donc, c'est vrai que musicalement, je suis assez ouvert. J'ai fait le conservatoire quand j'étais petit. Donc, j'écoutais de la musique classique. J'en écoute encore de temps en temps. J'écoute de tout, tout simplement. Il y avait un sample de musique classique là sur votre intro. Exactement. Ouais. Par contre, je ne saurais même pas te dire qui c'est. Parce que j'écoute, mais j'arrive pas à mettre les noms dessus. Par contre, j'ai une très mauvaise mémoire. Pas de big up pour le compositeur. Là, je le connais pas. Le compositeur nous a big up. Hein. Non, par contre, ce compositeur-là, le premier instru, c'est pas une instru de nous, c'est une instru d'un groupe américain qui s'appelle Jedi Mind Tricks. Exactement. Jedi Mind Tricks. Je suis parfaitement bilingue. Ouais. Et est-ce que un album, un EP vous tente Alors, dans là, les justement, prochains mois ? C'est là où je disais tout à l'heure qu'il y a 18 personnes qui participent. J'étais un petit peu anticipé. Uh-huh. On prépare en ce moment un album de 13 titres, 13 voire 14. Et on est dessus depuis quelques temps. Et on espère. Bientôt 3 ans. Fallait pas le dire. Merde. J'espère qu'il va voir. On espère qu'il va voir le jour d'ici la fin de l'année. D'accord. Et du coup, comme on disait, il y a 18 personnes qui participent à ce projet. Donc on tient à tous les big up, mais on les big up de loin quand même, parce qu'on va pas citer tous les noms. Parce que premièrement, on va en oublier. Deuxièmement, on n'a plus le temps. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il nous reste... Non, mais après, il y a le Real qui joue contre Paris. Non, non. Et à l'heure de la diffusion, on aura déjà eu le résultat. Il n'y aura plus aucun suspense. Donc, ouais, on espère que ça va sortir. Ça va s'appeler Groupuscule. Donc, Super Mario et Pastor H, on sera que tous les deux dessus. Après, bien sûr, comme j'ai dit, il y a 18 personnes. Donc, il y aura beaucoup de gens du groupe qui vont participer à ce projet-là. Ouais. Il y a d'ailleurs le petit client que vous avez vu juste avant, là. Oui. Qui fait partie des 18. Il fait partie des 18. Des 18 heureux élus. D'accord. Big up à Cléon. 18 heureux. D'autres dates de concert en vue ? Pas forcément. On sait que vous. Alors pour l'instant, on n'a pas de concert prévu, mais si certains veulent. Si t'en as, t'hésites pas. Veulent nous inviter, il n'y a pas de souci, on est dispo. Ouais. On prend 1500 euros, c'est rien. Tu travailles un mois, c'est cool. Vous assurez le show pendant suffisamment longtemps. Ouais, pas de souci. Voilà, de toute façon, s'il n'y a plus d'instru, on déconne et puis c'est cool. Quoi. Et au pire, on appelle Cléon pour qu'il nous fasse un beatbox. D'accord. Ouais. Donc pas de problème. Ça marche. Bah, peut-être qu'on pourra prévoir ça à la fin d'émission. Ah ben, peut-être. Si y a du temps, pourquoi pas. Grand plaisir. Christian, un mot ? Je prends pas le micro, moi. Comment ? Je prendrai pas le micro. Christian ! Bon, on vous laisse retourner. Juste une dernière chose avant de retourner sur scène. Comme dit, donc nous, on va sortir un projet cette année. Et toujours sous le nom de Division Blindée, normalement, il devrait y avoir Phoenix qui va aussi sortir un projet. On ne sait pas encore quand, mais il est dessus. Ça devrait normalement
voir le jour, on espère aussi d'ici à la fin de l'année. Ouais. Et comment il s'appelle son projet déjà? Calimero en Jordan. Calimero en Jordan. Et AR aussi qui va sortir un projet qui s'appelle Oasis. Il est aussi dessus, on espère que ça va sortir vite, mais on est comme ça, nous on sait jamais quand ça sort. Mais c'est pratiquement bouclé, tous les projets dont on parle. Christian. Ouais, je conclurai juste pour dire de bien aller voir des concerts quand il y a Clermont, c'est toujours désert, il y a vraiment pas, on a du mal à motiver le public. Donc bougez-vous, allez voir les concerts de rap quand il y en a, que ce soit la petite Copée, surtout au Raymond Bar qui ont toujours des programmations super bien avec 63 Wax Parties, on fait venir Lord Lust là il y a peu de temps, ils reprogramment des trucs. Donc bougez-vous un peu. Je suis complètement d'accord avec ça. Et même sans parler de nous, à chaque fois qu'on se déplace pour voir des concerts de que ce soit des rappeurs clermontois, il y a vraiment beaucoup de talent dans le coin et ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Et puis en plus, ça fait pour les gens, ça peut faire des connexions, c'est très très bien. Voilà, et puis rien ne vaut le concert en live directement. En vrai. Arrêtez d'être sur YouTube tout le temps. Stop, merde. Mais venez quand même sur notre chaîne, abonnez-vous. Et... Mais finissez de regarder l'émission. Bon, et bon, on vous laisse retourner pour faire la dernière partie. Merci Christian. Si, peut-être 2-3 noms de groupe, Christian, que tu pourrais conseiller en rap français. En rap français. Ouais, j'aiguille un peu le... Non, moi, c'est que du rap US. Alors, si vous voulez écouter des trucs sympas en rap US, c'est Run the Jewels. On vient d'écouter Perestroika, quel projet d'Ossi et de Apathy. Pendant l'interplateau. Puis le dernier Talib Kweli, c'est une valeur sûre. D'accord. Puis sinon, il faut écouter l'émission Hip Hop Vibe. Alors, lundi vous à pouvez récupérer l'émission en podcast sur l'iTunes Store, sur Podomatic, c'est les lundis, de 19h à 20h. Il y a des programmations avec de la musique de qualité. Vraiment, vous pouvez y aller. Vous pouvez en parler à vos amis. Vous pouvez récupérer cette émission qui est très très bien, l'amener avec vous. Et puis, je vous conseille mes thématiques. C'est bon, le promo, là, Christian. J'ai des thématiques qui sont très bien. J'en ai fait une sur Eric Sermon il y a peu de temps. Franchement, je suis assez contente. Ça cartonne. Merci Christian. Et on vous écoute. Allez, c'est reparti. Merci. Radio Arverne et le service culturel de Gerza s'associent pour l'émission concert Côté Vague. On peut pas continuer la pause un petit peu encore? Yeah. Est-ce qu'il y a toujours du monde à Radio Arverne? Ouais, les Avernois sont là. Paris sont timides. Merci. Yeah. Peu de moyens. J'aurais fait des études s'il y avait eu bac de rap. La vie nous donne des coups comme si on s'appelait sac de frappe. La délinquance nous ouvre les bras même si on est adorable. Favorable à une vie épicée qu'on nommerait Amora. On court après le flouze chaque jour comme jamais. Pourtant on reste atrophié comme la main de Jamel. Ça finit par nous rendre ouf, c'est charmé. La vie a un goût de merde qu'on parfumerait bien de Chanel. J'ai pas l'avenir dans les marques de café ou dans une télé à voir. Nos parcours durs seront nos routes, j'ai eu la preuve hier. On veut le beurre, l'argent, du beurre, le boule, de la crème hier. À présent si je tourne la page, c'est que j'ai plus de place sur la première. Oh, peu de moyens et aucune bonne étoile. Doit être des cons, on porte ta vie, nos bonnets d'âme, frelo. Moi j'ai choisi, j'y vis plein comme escouade. Avec fierté, honneur et l'âme d'un prolo. La route tourne, ouais, apparemment elle tourne triangulaire. À croire que nos vies se construisent sans pierre angulaire. Les dirigeants s'en foutent, faut voir la façon dont ils polluent l'air. Avec peu de moyens, on aspire à une révolte populaire. Elle tourne, ouais, apparemment elle tourne triangulaire. À croire que nos vies se construisent sans pierre angulaire. Les dirigeants s'en foutent, faut voir la façon dont ils polluent l'air. Avec peu de moyens, on aspire à une révolte populaire. Dans cette vie, on se lève tous les jours pour les femmes. On se brise, on se crève, on s'écroule sous les bras. Les coups de fou qu'on prend, on souhaiterait s'arracher, mais on est cloué. Ça se comprend, sinon comment faire pour mettre bien les siens. Cette vie de chien, nous tout l'on voudrait briser les liens pour pouvoir kiffer l'avenir. Le X, c'est que ça veut dire qu'on vit très mal. Le pire, c'est qu'on va croire qu'on n'a pas le choix. Même si parfois, on rêve de se tirer, de rajeunir, éviter sa petite tête d'idée noire, de vivre vraiment sa vie. Mais là, c'est pas le cas, car on se lève, on s'habille pour des choses qui ne nous font pas réellement palpiter. T'as pas l'idée, comme nos âmes sont calcinées, déracinées, limite assassinées parce qu'on n'ose pas kiffer. Et on est là à se plaindre, à trouver la finale, se contenter du bout de pain quand on peut bouffer la pizza. La route tourne, ouais, apparemment elle tourne triangulaire. À croire que nos vies se construisent sans pierre angulaire. Les dirigeants s'en foutent, faut voir la façon dont ils brûlent l'air. Avec peu de moyens, on aspire à une révolte populaire. Elle tourne, ouais, apparemment elle tourne triangulaire. À croire que nos vies se construisent sans pierre angulaire. Les dirigeants s'en foutent, faut voir la façon dont ils brûlent l'air. Avec peu de moyens, on aspire à une révolte populaire. En quête de vie, d'amour, d'espoir,
Le bonheur veut frapper à nos portes, mais ils nous font croire que quand les thunes manquent, ça devient difficile d'évoluer. Fuck cet univers pollué. Par de trous dans le budget, de trous de la sécu. Après ces tonnes qu'on avance en souterrain, ils parlent de nous comme des sujets, pointent leurs doigts sur nos vécus. Ils nous parlent de changement, mais ne foutent rien. La route tourne, ouais. Apparemment elle tourne triangulaire. À croire que nos vies se construisent sans pierre angulaire. Les dirigeants s'en foutent, faut voir la façon dont ils polluent l'air. Avec peu de moyens, on aspire à une révolte populaire. Elle tourne, ouais. Apparemment elle tourne triangulaire. À croire que nos vies se construisent sans pierre angulaire. Les dirigeants s'en foutent, faut voir la façon dont ils polluent l'air. Avec peu de moyens, on aspire à une révolte populaire. Avec peu de moyens, on aspire à une révolte populaire. Avec peu de moyens, on aspire à une révolte populaire. Avec peu de moyens, on aspire à une révolte populaire. Avec peu de moyens, on aspire à une révolte populaire. Merci. Merci beaucoup. Yeah. Noir est la couleur. C'est le son de ce morceau qu'on va vous interpréter maintenant. Abreuve-toi, abreuve-toi. Yeah. Ça c'est fini mec. L'homme ne parle qu'en insulte, là c'est 9 millimètres. Les putes d'aujourd'hui, hier n'était que des midinettes. Le monde entier en vit la grosse fortune de Bill Gates. J'ai la vision faite de blanc, de noir. L'humanité glisse chaque jour un peu plus dans l'entonnoir. De la bêtise, de la traîtrise que j'entrevois. Je retranscris sur cette page blanche à l'encre noire. Les ex-potes eux deviennent experts en tapin. Construisent une amitié en mousse quand tu fabriques en papin. Ils font siffler les tympans, c'est grand gamin. Ils ne pensent qu'à cracher dedans quand toi tu leur tends la main. Violence partout, sexe devient partout. Le monde tourne à l'envers, les femmes deviennent des hommes, c'est grave louche. Dehors c'est la merde, oh putain merde cartouche. Parce que noir est la couleur, ce texte ma dernière cartouche. Noir est la couleur que je broie, je me noie quand en moi est la douleur. Il me faut une feuille, je suis pas en deuil mais je suis si seul. Je m'arme d'un pic car c'est mon son qu'ils veulent. Je vois noir c'est la couleur de l'encre que j'utilise. Pour me sortir du litige, j'affronte tous les démons sur papier. À leurs idées, ma carte, je ne peux pas me plier. Monts et merveilles, on voudrait promettre notre. Mais lorsque fausse note sonne, ces ondes et perpètes, on s'est perdu. N'avant que compte, on monte les frères. Haine, gêne, nous mène la vie. Tu as vu nous voir sombrer, cette merde est interminable. Le terrain, nos attitudes minables. C'est clair qu'on manque de fair play. Je sens de l'air brûlé, chatouiller mes narines. Ça pue quand les potes deviennent des putes, mais où elle est la fidélité? C'est pire en pire, vérité. Tous les vrais l'affirment. Donc je balance mon rap, donc on a pas shooté les platines. Écoute, j'ai l'état de rime. C'est les seuls à qui je peux faire confiance. À mon sens, trop de gens sont dans le mensonge. Je n'en ai pas conscience constante. Et la chute du monde vers les enfers. Il vient de là le réchauffement de la planète. En fait, ça me fait souffrir. Vraiment, j'ai trop de larmes en tête. Trop oubli. Qui sème le vent récolte la tempête. C'est noir qu'est la couleur que je broie. Je me noie quand en moi est la douleur. Faut une feuille, je suis pas en deuil, mais je suis si seul. Je m'arme d'un pic car c'est mon son qu'ils veulent. Je vois noir, c'est la couleur de l'encre que j'utilise. Pour me sortir du litige, j'affronte tous mes démons sur papier. À leurs idées, ma carte, je ne peux pas me plier. Hey, sur YouTube, hey, ça c'est sur YouTube. Comme c'est sur YouTube. Ça s'appelle Noir et la couleur. Black is the color. Parce que nous on fait les choses. Ah ouais, c'est vrai que c'est le nom qui est anglais en à fait. À l'américaine. C'est qu'on est un. Mais ouais, c'est clair. Bilingue. Ok. Merci. Pourquoi est-ce que j'écris? J'écris dans le but de faire maigrir mes démons qui prennent du poids en moi et me laissent bien souvent écrire. M'écrire sans temps de ma plume et plume. Et quand j'ai plus d'encre, je me sens en danger plus grand. De la tristesse quand j'arrive pas à la sortir sur papier. Je me sens comme un amputé dans les mers là où il a papier. C'est triste, pathétique, mais je n'atterris sur mes deux pattes qu'avec mes paquets de dreams, même si elles sont pas terribles. Pas terrible. C'est la seule drogue que je prends, la seule qui me fait planer comme un satellite. Et la vérité, c'est que quand j'ai pas les idées, ça me fait flipper. Je suis un gars dépité quand la speed part s'éclipse. C'est qu'à écrire mon antithèse d'un schlag qui reste un schlasse. Quand mes pensées me conduisent vers des impasses incassables et la mine de mon crayon critérium. Car quand j'écris, je les bonne, il rayonne. On crie nos tristesses, nos prières dans nos écrits. On se libère de la misère, on sent trop ses griffes. Envie de faire le vide perdu dans nos dérives. On fait couler l'encre, peu importe support. On crie nos tristesses, nos prières dans nos écrits. On se libère de la misère, on sent trop ses griffes. Envie de faire le vide perdu dans nos dérives. On fait couler l'encre, peu importe
Je retrouve la réalité d'un coup de klaxon. Mon rap intime décrit sur le bloc mode de mon smartphone. La vie une prostitute et je tente d'être son proxo. Elle m'a fait danser smooth criminal comme Michael Jackson. On m'a dit, allez on creuse un peu plus des textes. Voici ma vie en rythme que je vous livre plus vite que PS. La confiance acquiert au fil des tests. Près des baisses, alors j'écris la boule au ventre. Ça ne peur que tu me détestes. J'écris mon pessimisme, jamais vu le futur si noir. Me livrer davantage, mais comment faire dis-moi. Plus de profondeur à glisser dans ces lignes, c'est chaud. Putain, la plus grande de mes craintes en vrai, c'est que l'auditeur s'y noie. Tu veux savoir pourquoi j'écris, franchement. C'est un besoin vital, un point de suture, un pic, pansement. Oh, et peut-être un besoin de reconnaissance aussi. J'arrêterai certainement d'écrire le jour où je vivrai sans souci. Alors on crie nos tristesses, nos prières dans nos écrits. On s'y perd de la misère, on sent trop ses griffes. Envie de faire le vipère, vite dans nos dérives. On fait couler l'encre, peu importe le support. Alors on crie nos tristesses, nos prières dans nos écrits. On s'y perd de la misère, on sent trop ses griffes. Envie de faire le vipère, vite dans nos dérives. On fait couler l'encre, peu importe le support. Yeah! Ah oui! Merci! Yeah! Oh. Hey, je suis mort. Moi aussi, mais on va continuer parce qu'on écrit pour ça aussi. Pour faire des crimes. Ah. Pour faire des crimes passionnels. On écrit pour tuer les instrus, non? C'est un peu ça. On peut le dire. Franchement. Ah. Je l'entends à peine que déjà je crois de finir au pénal. Frollo c'est infernal, j'ai qu'une envie c'est de faire mal. Je ressens un instinct primitif genre néandertal. J'ai envie de commettre un assassinat verbal. Faut qu'elle détale, elle a beau être lourde pour moi elle n'est que pétale. J'ai fait le calcul qu'elle tiendra pas. Même sa petite beauté mélodieuse ne m'atteindra pas. Pourtant elle sait pour ses copines ce n'est pas un traquenard. Je craque ma rage, n'a pas de barrage. Faut que je l'arrache, que je la mitraille de mots la langue en guise de calache. Non je la lâcherai pas, faut qu'elle s'imprègne de moi et crois-moi que ça fera pas de l'arabe. Je serai gars au risque de frise, la crise, la prison. Je la maîtrise, la prise, sans maîtrise, sans tristesse, sans traîtrise. Concentré, je vise mon cœur. Un grand désir, c'est que les gens sachent qu'il a mis sous la page sans faire de fantaisie. On t'assure qu'elle ne pourra pas s'échapper. Et par la charme, on la frappe, tu sais qu'on la fracasse. On la pète à peine, on l'entend taper dans nos tympans. Pervers, pour elle, je suis père-mère. On t'assure qu'elle ne pourra pas s'échapper. Et pas s'échapper, c'est bien cause que l'enfer, sa famille a souffert. On la pète à peine, on l'entend taper dans nos tympans. On la traque, on la tabasse. On voit la preuve que je la déglingue comme sur un scudi vierge. On va retrouver son corps dans le journal rubrique fait l'hiver. Je l'ai rencontré dans l'arrière-salle d'un petit bar. En première regard, elle a compris qu'elle serait ma proie ce soir d'hiver. Je l'ai séduite, ne s'est pas méfiée de mes intentions. Mes intentions, je suis pas le genre de gars qui frappe dans le son. J'attrape dans le son, petit coup de rein cadencé. Avancez, mademoiselle que je guette votre argumentation. Puis même sans boire, ma tête s'est mise à tournoyer. Là vous voyez, la rétro dure, je voulais juste la foudroyer. Ses pensées m'obsèdent, des visions obscènes, des visages aux obsèques. Et tout ça juste à force de la côtoyer. Monsieur le juge, allez-y, enfermez-moi. Faire des bois, font rimer ma vie comme j'ai choisi. Entre elle et moi, emmerdez-moi. Je me remémore cette acidité quand j'ai croqué dans cette délicieuse proie comme dans une fraise des bois. On t'assure qu'elle ne pourra pas s'échapper. Et pas s'échapper, on la frappe, tu sais qu'on la frappe. On la pète à peine, on l'entend taper dans nos tympans. On pervers, pour elle, tu pervers. On t'assure qu'elle ne pourra pas s'échapper. Et pas s'échapper. Enterré sous terre, rose et l'enfer, sa famille a souffert. On la pète à peine, on l'entend taper dans nos tympans. On la traque, on la traque, on la tabasse. Mais oui. Est-ce qu'il y a toujours du monde par ici? J'ai pas attendu 2000 pour commencer le rap. Pas attendu le net pour voir si j'étais apte. Pas eu besoin de Skype pour promouvoir notre art. J'ai toujours été sous commercial sans cravate ni costard. Ma fierté réside dans mon parcours musical. Pas de fausses notes, pas d'infidélité, n'y a que le classique. Faire évoluer ce style pour moi c'est crucial. Je veux du lourd, la faute mec, je bannis le plastique. Et qu'on a ne mise surtout pas tout sur l'image. Souviens-toi des morceaux de nos aïeux. Même le meilleur des titres, c'est pas sûr qu'il marche, non. Mais pour ma part, faut pas compter sur mes adieux. Ne raconte pas ta pseudo-vie, on en a rien à foutre. Ni gangster, ni millionnaire, ni encore moins joueur de foot. Comme le silence est dans, alors envie de toi. Ferme ta gueule, juste observe un peu les types de chez moi. Magique est le style qu'on pratique. Sur le beat, on s'applique à fournir des classiques, frérot. Passe de Réa Géo, Mario Supasueno. Ça kick, ça pique, la barre, on la met. Oh, magique est le style qu'on pratique. Sur le beat, on s'applique à fournir des classiques, frérot. Passe de Réa Géo, Mario Supasueno. Classique,
classique, classique, classique, assista, un track classique, rap, t'es mec classique, man, t'es mal, comment je frappe facile, je ratatine, la prod, l'assassine, rap, porte un tas de face, facile, dans qui je l'assime, c'est ta crotte que t'as là, puis tu te fous dans tes oreilles, nous on est pas là, pour prendre le téléphérique, pour être autant que nous on escalade, yo, ça fait des années qu'on dit qu'on brille, qu'on brille, qu'on brille, qu'on vit, un pété les nez, si bien qu'on flippe, des fois qu'on pense qu'on est les amis de ce rap, je, plus qu'au son, ne marche, pas jusqu'à tes tympans, bien qu'au trop son, barge, mon arge, le partage, parce que je l'aime, man, je me lève, car je sais qu'à chaque fois il sera de qualité jusqu'à ce que je le crève. Bref, le rap est une passion qui m'anime, ne doute pas. Voici ma team de tout à, je qui abîme tous pas. Zarinotique, nos sons massifs, magiques, qui affinent de leur cadre de Louis le Caline. Mec, c'est classique, c'est magique. Et le style qu'on pratique sur le beat, on s'applique à fournir des classiques, frérot. Pasteur et HGO, Marius ou Pasueno, ça kick, ça vit, la baron la met haut. Magique, et le style qu'on pratique sur le beat, on s'applique à fournir des classiques, frérot. Pasteur et HGO, Marius ou Pasueno. Classique, 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 classique. Ah eh, ok eh. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce son là? Ah oh. Je trouve silencieux. On va faire un petit jeu. Quand je dis hip hop forever, vous dites hip hop forever. Ça fait hip hop forever. Plus fort. Je dis hip hop forever, vous dites hip hop forever. Ça fait hip hop forever. Plus fort. Hip hop forever. D'accord. Hip hop forever. Hip hop forever. Please, on dit de moi, moi, que je suis agité. Mon AGP a chopé en générique de fin des JT. Ma foi à moi, moi, réside dans le hip-hop. En 2018, c'est la conquête de tout le hip-hop. Le son personnellement bien plus qu'un divertissement. Un art de vie, une culture pratique et sans fléchissement. Malgré les aînés qui nous sont collés, on persévère, les hommes tous se faire enculer. Décalé, recalé, pour un rap qui fait parler. Reculé, régalez-vous, laisse un flot trop bien calé. Écoute ce morceau pour tôt, j'y mets mes couilles c'est symétriques. Si je reste hip-hop forever, hip-hop forever. C'est par principe parce qu'on t'aidait tes barques et puis on t'aidait tes bites. Osez des tâches, je te laisse solliciter le beat. C'est dans ce beat que chacun marche pour son coup. Le bien la vie vive, toujours placé en tête des troupes. Hip hop forever, hip hop forever, hip hop forever. Please, please, allez leur dire, il faut que tout le monde le sache. Hip hop forever, tout le monde. Hip hop forever, plus fort. Hip hop forever. Please, please, allez leur dire, il faut que tout le monde le sache. Depuis l'âge de 13 ans, je rappe, ouais, je sais que c'est paraissant, un peu paresseux, c'est pourquoi je parais sortir de la dernière pluie. Pourtant, je kiffe faire des puissants beats, des puissants textes qui te roulent cul, on serre les cuisses. Le hip-hop, ça fait des années que je tue le temps, que je tue le temps à faire des prods, bosser un flow percutant. Parfois des gens, mais souvent les gens pensent que je plaisante, mais à présent, appelle le légende. Hip-hop forever, ah non, je suis pas prêt de m'arrêter. Mon arrêt très efficace, mon me le prône à la récré. Je suis pas prêt à quitter les gants, mais je suis prêt à kicker les glands. Les petits et les grands qui voudront prendre mon rap, moi j'encule les petits pélicans. Ils m'en demandent trop, ils prennent ma bite et ma bite et les gants. Essaye trop d'avoir mon flow, mais ça leur fait des crans. Hip-hop forever, bon pour la santé comme une balade dans une forever. Tu veux bien rêver? Mec, t'es trop rêveur, ça fait hip-hop forever. Tout le monde, ça fait hip-hop forever. Encore hip-hop forever. Please, allez leur dire, il faut que tout le monde le sache. Ça fait hip-hop forever. Plus fort, hip-hop forever. Trop timide, hip-hop forever. Please, please, allez leur dire, il faut que tout le monde le sache. Ça fait hip-hop forever. 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 Ça fait hip-hop forever. Hip-hop forever. Please, please, allez leur dire, il faut que tout le monde le sache. Merci. Bonne participation. Un peu timide, mais on vous met la note de 12 sur 20. Je crois que c'est le dernier, non ? Il nous reste un dernier morceau. Ah, je reste qu'il parlait. Galas ? Pas pourquoi. On est à Gerza en plus ici. C'est un peu un univers impitoyable aussi. Ah. Yeah. Hey, toi-même tu sais qu'il y a risque. Si j'écris sans thème, si j'écris sans difficulté, pour tes chrysanthèmes. Mario prise d'antenne en live du 9x7. Tu fais plein de blagues sur nous, t'as fait une fixette. Hey. C'est pas des blagues, frère, pour que ça pète les scores. Re-level, c'est Mario nouvelle, c'est après pour les scores. 9 kits A, tout pas tout pété, tout pas tout pété. Tu sais à quoi t'as prêté, c'est volcanique, poto. Automatiquement, logiquement, ça s'exprime au micro-auto. Y'a rien de défini. J'avoue c'est vrai le son est frais frérot. Et toi t'arrives quand tout est fini. Crime 13, celle qui porte 10 ans malheur. Va leur dire 100% râleur et jamais à l'heure. Et si ça, t'as tout pété. T'as pas t'aider, pas tic, t'as pas proto. Crabi, pili, tu pourras pas l'éteindre. On vient tout péter. Tu peux leur dire qu'on vient tout péter.
été. Super Mario. On vient d'où péter. Tu peux le dire, on vient d'où péter. 9 fois 7 Mat, mes gars, débarque, c'est carrément fait. Les plus stiff, Mac, les gars, c'est crâle. Je suis sur la télé, mais je vais éclater, se rappeler le clas. Qui est jusqu'à le saigner dès le départ, c'est grave, débarque. Temps pour te fêler le coup, dès que t'écoutes, dès que tu bouges ta tête. Ton cœur boum, comme si des loups, des ours te courent après. Goûte la vraie, boucherie lourde pour te laver. Et ta pantipe, tu peux topper là, j'en fous ma merde. Avec plus de swag que Jordan, dans une paire de 9 baskets. Je représente mes 9 fois 7. Je me dois d'être au top, mon flow fracasse les murs pendant que tiens peine à obtenir un 9 cassé. Je ne meuf pas mec, rimeur d'élite, mes refs savent cette chose. J'explose, mix et moustiques peuvent l'admettre. Tu peux me la mettre, tu vas retrouver tes œufs à l'air. Et prendre pop en cucu, donc ne teste pas le maître. On vient tout péter. Tu peux leur dire qu'on vient tout péter. Péter. Avec Mario, sous bois. Tu peux leur dire qu'on vient tout péter. Tu peux leur dire qu'on vient tout péter. 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 Ils y ont plein de. Oh oh oh. Mais oui. Merci. Merci à tous pour votre écoute, pour votre attention, pour votre invitation. Pour votre participation. Pour votre participation. Merci bien. Merci la vague. J'ai 10 euros par personne maintenant. Non, c'est clair. Ah, c'est clair. Il ne faut pas plaisanter trop longtemps, non ? Côté vague, à retrouver en podcast sur le www.radioarverne.com. Ben merci beaucoup, merci à Pasteur H, merci à Soupa Mario qui vont pouvoir se reposer. Je crois qu'ils vont s'allonger maintenant sur la banquette. Merci pour ce super concert. Merci aussi à Lulu, Cléon et puis Axello tout à l'heure pour la première partie. Vous retrouvez cette émission en podcast sur Radio Arverne, sur le site www.radioarverne.com, sur la chaîne YouTube de la radio et puis diffusée bien sûr sur les ondes du 100.2. Merci à Image et Ricochet pour les images. Radio Arverne, le service culturel de la ville de Gerza pour l'organisation de cette émission. Et on retrouve la prochaine émission Côté Live. J'espère que vous serez là. Ce sera le 18 avril prochain. Ah, je suis pas là. Si vous serez là, quelque chose me dit que vous serez là. Alors au 18 avril prochain, merci à tous.